Gouvernement civil, perspective biblique. Dans le dernier épisode, là, nous avons parlé de la nécessité pour le chrétien de prier, mais prier de manière stratégique. Pour le prier de manière stratégique, il faut qu'il informe, faut l'informer de ce qui a passé dans la société. Là. Et même gens avec les prophètes, qui étaient qu'on a présenté devant bon Dieu, réalité pays, yo, et demandé bon Dieu pour intervenir pendant que eux-mêmes ont fait le nécessaire. Et nous te dit d'en faire le nécessaire là, chrétien a besoin impliquer, il a besoin agir en tant que cellule lumière, pas de l'extérieur, mais à l'intérieur dans le social, à l'intérieur dans la politique, à l'intérieur dans l'économique, à l'intérieur dans le culturel, à l'intérieur dans toute sphère d'influence que bon Dieu place selon don et talent que nous recevons. Nous te dit tout. Parce que chrétien pral intentionnel en tant que sel et lumière dans la société, là, ou capable de jouer une persécution qui découle. Et c'est ça que nous voyons lorsque nous avons étudié l'histoire, premier chrétien dans l'église. Lorsque chrétien ont commencé à démarquer ou des juifs de Rome, en raison de croyance, en raison de action que ont posé, le ça, ou t'as pral hostilité à t'as encore plus marqué. Et le ça, qui ça que t'es passé? Chrétiens, pas oublier ou te minoritaire, yo vin entre deux mal, entre deux extrêmes. Yo premièrement entre Romains yo et deuxièmement yo entre Juifs yo. Yo entre Romains yo parce que Romains yo pas d'accord que gon deuxième fils de Dieu parce que c'est César seulement qui supposé fils de Dieu. Yo non l'autre côté, yo entre Juifs yo tout parce que Juifs yo pas d'accord que c'est Jésus Messie hein, parce que Messie que yo t'ap tann nan son Messie que t'ap vinn délivré yo en bas oppression Romain yo. Donc nan ça persécution était féroce et li t'ap pral plus intensifié lorsque régime Néron qui était un régime si vous voulez qui était vraiment destructeur pour chrétiens. Et là sa persécution t'ap pral pran l'autre dimension pour entrer dans son état qu'on chasse à l'homme. Côté le ça leur monde tombé sur un chrétien met main sous lui. Et c'est comme d'adou son bon bagage que le fait. Et bagage ça, il t'a pral gagner non seulement Rome, mais aussi les provinces avoisinantes. Maintenant, dans un contexte de persécution féroce, parce que pas oublier que Paul dit toujours dit que attitude chrétienne par rapport au gouvernement civil, c'est la soumission, soumettre devant toute autorité établie. Maintenant, lorsque autorité ça est déchaînée pour que y a matérialisé chrétien dans l'état ça non seulement à Rome mais aussi dans les provinces avoisinantes, est-ce que message là t'a pas changer, est-ce que message là t'a pas adapté à nouvelle réalité à ou bien à circonstance ça réalité à c'est qui ça? Non, message là pas changé. Même lorsque disciples a vivre tout événement ça, message Paul là pas changé, message Pierre là pas changé. Refrain a toujours été même bagaille. Honorer tous les hommes, aimer les frères, craignez Dieu, honorer le roi. Roi, ça c'est Néron. Hein? Honorer tous les hommes, aimer les frères, craignez Dieu, honorer le roi. Chrétien, il y a bagaille qui fait que son être qui extraordinaire, c'est que il pas ignorant par rapport à futur li. Parce que li apprend de information que Christ bali qui dit mais qui ça pral arriver par la suite des temps et mais qui ça pral arriver parce que ou décide briller. Parce que réalité a c'est que la Bible dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Maintenant si moun préfère ténèbres nan place lumière à cause de mauvaises œuvres yo, pas besoin dire lorsque qu'on y a chrétien décide la briller dans la chose publique, lorsque la briller tout partout, donc le ça ou met tant nous que pour aller gagner représailles. Donc chrétiens sont monde qui connaît sol déjà. De Matthieu à Apocalypse, la Bible annonçait mais tout ça que vous pral gagner pour faire chrétien. Parce que il dit et Jésus a parlé, il dit voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Non seulement il dit ça, il dit que vous pral traîner nous devant tribunal yo. Et lorsque nous pral camper devant magistrat yo,
ils vous feront mourir. Pour qui ça? Parce que nous t'ai choisi pour nous t'ai joué rôle nous en tant que sel et lumière. Parfois on m'a dit tout. Est-ce que en pile fois moun pa moun mal à l'aise pour dire que c'est chrétien dans certains milieux? C'est tout simplement pour éviter représailles. C'est tout simplement pour éviter que yo pas obligé marcher droite. Parce que automatiquement vle marcher droite, automatiquement ap fait bon bagay, le sa pral gen moun kap mal à l'aise. Pourquoi? Parce que les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Et donc lorsque ou même en tant que sel, en tant que lumière, ou ap rempli mission prophétique ou en tant que l'église, ou met attendre à représailles. Et Pierre dit nous, lorsque bagay sa arrivé, ou pas besoin surprendre parce que arrivé. C'est ça que li dit dans 1 Pierre 4 verset 11-19 que m'a li. Bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, soyez contents de la part que vous ayez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que le Christ, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera donc la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Et si le juste se sauve à peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc automatiquement, chrétien prend position pour le bien, il a besoin d'attendre à ce que pral gen représailles. Parce que des fois, il y a des gens qui ne pas les bagailles changer. Ou gen de moun ki remet le statu quo, ou gen de moun, la Bible gen ta di yo remet ténèbres la parce que ténèbres la profitable. Donc automatiquement kou gen de moun ki pral pran position pour le bien, yo met atann yo à ce que ou pral gen des représailles. Mais Jésus non seulement t'a averti bagay sa yo, mais cependant Jésus li pa de jam te enseigné que réaction que chrétien pral gen face à persécution sa yo, face à menace sa yo, et que l'Ibra l'utiliser les armes. Pour qui ça? Parce que Christ pas de jambe te wè chrétien comme yon zélote, comme zélote nan tanpal, si vous voulez, qui c'était des réactionnaires et qui étaient tout simplement là comme des fauteurs de troubles par rapport au gouvernement romain. Et c'est ça que gen pile monde qui utilisait texte ça pour dire que, et puisque Jésus te baye possibilité pour que Pierre te gen zam, et donc et te possibilité a te toujours là pour que te gen on réaction violente qui te fait non. La légitime défense son bagay qui sacré. Donc c'est tout à fait normal que chrétien t'est capable porter zam et que il t'est capable même utiliser zam nan. Mais lorsque l'a utiliser, il pas utiliser contre le magistrat dans l'exercice de ses fonctions. L'a utiliser pour capable protéger tête li, il capable utiliser pour capable protéger femme, c'est normal. Dans un contexte de trouble civil et politique, le chrétien doit pouvoir se défendre. Non seulement défendre tête mais défendre famille, ça sont bagaille qui sacré. Cependant, Paul te voulait rappeler chrétien qui ça qui véritable ennemi pour lui-même. Ennemi, ce n'est pas le gouvernement civil, ennemi ce n'est pas les citoyens, mais ennemi c'est que la gourmet contre des forces mystérieuses qui liguent au contre bon Dieu et contre le Christ. Extrêmement important pour que lorsque chrétien a gardé le gouvernement civil pour le garder dans la perspective biblique là. Le gouvernement civil li joue un rôle extrêmement important dans la société. Il est vrai que li pas capable réformer les cœurs parce que pécheur à lui-même son monde qui déchu et qui fait partie d'une race qui en bas domination malin. Donc ou pas capable trop espérer de la part du gouvernement civil pour qu'il capable changer que monde parce qu'il a une limitation
Et c'est parce que justement, il y a des limitations qu'il faut besoin l'autre institution capable d'intervenir dans différents fronts. Ou besoin des institutions tant que la famille, ou besoin des institutions tant que l'église, et ou capable besoin des institutions tant que l'entreprise, tout. Parce que ce sont des institutions de socialisation qui sont liées au même rang que la famille et l'église, qui, quelque part, occupent une position supérieure de par leur vocation divine. Maintenant, le rôle de l'église, c'est qui ça? L'inscrit davantage dans la perspective de l'action sociale que de l'action civique. D'où l'importance pour que chrétien soit capable de comprendre le rôle en tant que citoyen. Mais l'extrêmement important, et c'est ça que nous allons regarder dans le prochain épisode, là, pour que une distinction qui établit entre ce que chrétien capable de faire et ce que l'Église capable de faire. Pour ce qui concerne le gouvernement civil, deux entités ça sont importantes. L'Église constituée de chrétiens, l'Église en tant qu'institution est très limitée dans ce qu'elle est capable de faire dans la sphère politique. Tel n'est pas le cas pour le chrétien. Mais distinction ça extrêmement important, parce que si distinction ça n'a pas faite, il y a pile compromission qui est capable de faire. Et c'est ça que nous allons voir dans le prochain épisode.